Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir chez vous. Encore une fois, nous sommes là pour notre émission Le vécu au quotidien, Evemi Datom. Oui, Evemi Datom, aujourd'hui, nous allons essayer de léser un peu nos frères Kabyé. Nous allons dans Le vécu au quotidien, comme vous le savez bien. Evemi Datom, c'est Le vécu au quotidien, comme d'habitude. Alors ce soir, nous avons le plaisir de parler la langue de Molière. Alors là, comme égard faire Eurogobia. Bon, j'ai un défilé. Égal nos radans. Tes amis. Comme nous le disions tout à l'heure, il fallait qu'on s'excuse parce que nous avons promis la semaine passée que c'est un autre thème en Kabyé. Si vous l'avez, Dieu merci. Si vous ne l'avez pas, la prochaine fois vous l'aurez. Alors ce soir, nous sommes là pour parler argent. Nous sommes là pour parler des finances. Nous sommes là pour promouvoir la femme, la jeune fille, financièrement. Comment la jeune fille doit commencer à se préparer en faisant des activités génératrices de revenus pour qu'un jour, avant qu'elle ne foule le toit d'un homme, qu'elle soit préparée. Alors j'ai un homme. Un invité de marque que vous connaissez bien parce qu'il a l'habitude de passer ici sur notre chaîne télévision. Jésus vous aime. Nous vous aimons bien. Alors, c'est un diacre, c'est un serviteur de Dieu, mais au-delà, c'est un spécialiste en intelligence financière. Il se présentera lui-même. Il porte beaucoup de casquettes. Alors, vous allez le découvrir tout à l'heure après la prière. Inclinons-nous pour la prière. Seigneur Dieu, nous sommes là ce soir pour te dire merci pour tout ce que tu fais, Seigneur, à notre endroit. Nous ne méritions rien, Seigneur. C'est par pure grâce que l'air-là que tu nous donnes quotidiennement, nous la respirons. Certains ont voulu la respirer comme ça, mais n'ont pas pu. Il fallait qu'ils l'achètent à des centaines de mille. Mais nous, tu nous l'as donné gratuitement. Nous te disons merci parce que, Seigneur, papa, tu fais grâce à qui tu veux. Et, Seigneur, papa, tu t'opposes à qui tu veux. Merci de nous avoir fait grâce. Papa, nous sommes là pour l'émission Le vécu au quotidien. Père, moi-même, mon invité, nous nous plongeons dans le sang de Jésus. Nous demandons que Seigneur, Père, que de nos bouches sortent les paroles que tu auras mises pour Seigneur, Père, aider une maman, aider un papa, aider une jeune fille, un jeune garçon pour qu'il puisse se prendre en charge pour la gloire de ton nom. Car Seigneur, tu as fait de nous, Seigneur, des bénis. Tu nous as enrichis sans rien faire parce que tu as disposer beaucoup de choses. Je remets encore une fois l'invité entre tes mains, les téléspectateurs. Père, que cette parole qui sortira tombe sur, Seigneur, un cœur de chair pour que, Seigneur, cela puisse trouver, papa, écho après cette émission. Merci de ce que tu es avec nous. Béni sois-tu au nom de Jésus. Amen. Alors, je vous en disais tantôt que j'ai un invité de marque. Il s'appelle Monsieur Emmanuel et comme là, Payaro. Et il est un spécialiste en intelligence financière. Soyez les bienvenus. Oui, merci beaucoup, maman. Oui, ça fait plaisir. Chez nous, on dit que c'est le mort qui ne parle pas et on parle de lui. Vous êtes là en personne. Présentez-vous. Effectivement, je suis Emmanuel Bayaro Komlan. Je suis spécialiste en intelligence financière. Notre objectif dans la vie, c'est d'aider les uns les autres à sortir de la pauvreté parce que nous avons comme mission de vie, comme vous venez de le dire, il faudrait que chacun sache tout ce que Dieu nous a donné. Et si nous comprenons bien ce que Dieu nous a donné, nous pouvons nous départir de la pauvreté facilement. Donc, il nous faut des connaissances, des révélations, et quand nous allons appliquer tout ce que nous avons appris, et là, ça deviendra les éléments sur lesquels on va se baser pour réussir, parce que Jésus l'a bien dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Donc, encore une fois, je suis Emmanuel Bayaro, spécialiste en intelligence financière. Et vous êtes aussi diacre à l'église Assemblée de Dieu de Assié. Oui, je suis diacre au Tom Galilée d'Agoué Assié.
avec mon révérend Lucien Kokoubi-Yakwe, donc qui est le pasteur titulaire, et puis l'adjoint, donc Blaise Dodi Yassoba, qui nous nourrissent chaque dimanche là-bas. Bon, là, j'étends un peu la limite pour dire que je suis aussi responsable des divisions à la Caisse nationale de sécurité sociale. Alors là, où je travaille. Et nous sommes bien tombés alors. Dans ce cadre aussi, nous travaillons pour que les travailleurs qui travaillent aujourd'hui ont la force, que leurs vieux jours soient assurés. Donc, c'est ce que la sécurité sociale apporte pour que le monde soit bien vivable. Caisse nationale de sécurité sociale. Oui. D'accord. Et vous êtes bien arrivé. Mais il y a un titre que, ce titre-là, je ne comprends pas bien. Intelligence financière d'abord. On va comprendre le sens. Spécialiste en intelligence financière. Oui. Le spécialiste en intelligence financière, c'est quelqu'un qui aide ses semblables à résoudre leurs problèmes financiers. C'est ça. Donc pour résoudre un problème, il faut avoir une intelligence. C'est ça. Et c'est l'intelligence que vous avez qui vous permet de résoudre le problème. C'est ça. Par exemple, si nous prenons l'intelligence professionnelle, par exemple, celui qui est menuisier, donc il a une certaine intelligence de travailler le bois, travailler les trucs là pour sortir quelque chose que n'importe qui ne peut pas faire. C'est ça. S'il ne t'apprend pas, il ne te montre pas comment on le fait, tu ne peux pas réussir. On dit alors il a une intelligence, un savoir-faire, des compétences, des c'est habiletés. C'est quelqu'un qui est doté de compétences pour pouvoir arriver à bout de quelque chose. Voilà. Le savoir-faire. Mm-hmm. Donc cela veut dire que quand nous prenons... Son expertise. Voilà. On a plusieurs types d'intelligence. C'est ça. Donc, alors, c'est ça l'intelligence financière. Vous, votre expertise est dans le domaine financier. Voilà. Alors, merci beaucoup. Il fallait que je comprenne bien ce mot avant d'en arriver à mon thème. Alors, ce soir, nous avons voulu plancher sur comment promouvoir financièrement les femmes et les jeunes filles pour pouvoir se prendre en charge, que ce soit au foyer, que ce soit avant de préparer le mariage. Comment il faut vraiment être assis financièrement pour se lancer, que ce soit dans le foyer, que ce soit dans l'église, que ce soit dans la nation tout entière. Comment faudrait-il préparer la femme ou la jeune femme à pouvoir s'ingérer dans le développement de sa nation financièrement? Alors, c'est là, nous sommes là. Alors, avant de commencer et de rentrer dans le vif du sujet, nous avons voulu savoir les contours du thème. Promouvoir financièrement la jeune fille, la jeune femme. Oui. Donc, promouvoir quelque chose, c'est quelque chose, quand on dit qu'on va faire la promotion d'une chose, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est l'initiateur. Il est au début, les gens ne connaissent pas. Il faut maintenant parler de ça, faire ça pour que ça se développe, pour que les gens puissent mieux connaître la chose. Par exemple, tout à l'heure, si même cette émission n'est pas reconnue, n'est pas connue du public togolais, on va faire une promotion de l'émission pour que cela puisse atteindre toute la population. Pour qu'à des heures de Vimidatom, que tout le monde soit branché parce qu'on sait que c'est l'heure là. Donc on a fait la promotion. C'est pourquoi vous allez voir que sur les chaînes de télévision, si on veut sortir un nouveau film, on fait passer certains extraits de temps en temps pour que les gens sachent que, ah, on va vous dire, ça va commencer dans 3 mois. Mais on vous fait, bon, les avant-goûts. Et là, comme ça, on dit, on est en train de faire la promotion. Pas un lavage de cerveau quand même, mais on vous prépare. On vous prépare. Physiquement, spirituellement, moralement, voilà. À accepter, à accueillir ce qui va arriver dans peu de temps. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Oui, vous continuez dans le donc, même là, sens. Et maintenant, si au niveau de la promotion de la jeune fille... ou bien de la jeune femme pour qu'elle soit indépendante, elle soit autonome financièrement, ça veut dire qu'on doit apporter l'information à la jeune femme, on doit apporter l'information à la jeune fille une fois qu'on l'a dit, ah tiens, je vais donner un exemple. Supposons qu'aujourd'hui une jeune femme,
Elle s'est mariée à un PDG qui a les moyens, qui a les finances. Mais on ne sait jamais, puisque le président Feu Yadema a dit « Nous aimons les hommes, mais Dieu les aime plus que nous. » Vraiment. Ton beau, joli mari qui a les finances, qui a les moyens, et voilà, il va à un voyage et puis il ne revient pas. Et on t'annonce que c'est fini. Voilà, tu n'étais pas préparé. Tu y fais face aux petits-enfants qui sont là. Aujourd'hui même s'il a laissé l'entreprise, vous n'avez même pas la capacité de gérer l'entreprise. De continuer ce qu'il a commencé. Mais aujourd'hui, on doit mettre la puce à l'oreille de chaque femme, chaque jeune fille. Ah tiens, il y a des responsabilités dans la vie et surtout les responsabilités financières. Parce qu'on ne peut rien faire dans cette vie sans l'argent. Et là, il faut savoir comment le gagner, comment le protéger, comment le multiplier. Et là, si vous êtes dans un foyer, aujourd'hui, par exemple, il y a un monsieur qui m'a appelé pour dire qu'il a perdu son boulot. Il y a la femme et les enfants. Il y a quelques mois, il n'a plus de source de revenus. Si la dame ne s'était pas préparée, on n'a pas poussé la dame à faire des choses, le foyer là commence à souffrir. Parce que la seule source qui alimentait le foyer, c'est le mari. Aujourd'hui, c'est coupé. Et comme ça, c'est devenu problème. Mais maintenant, si on présente à chaque jeune fille que tient dans un foyer, pour que ça tienne bien, il faut 4 pieds. Peut-être le mari a 2 sous de revenus de différents niveaux. Et maintenant, lui aussi, la femme, elle a aussi peut-être 2 ou 3 sous de revenus. C'est ça. Et là, si ça bascule d'un côté, ça tient parce que la dame vient en renfort ou bien le monsieur. Par exemple, c'est ce que nous faisons au niveau de l'intelligence financière. On apprend aux gens que aujourd'hui tu as un boulot. Tu dois apprendre d'autres compétences qui te permettent d'avoir quelque chose en parallèle. Et par exemple, si je suis venu ici, vous m'avez dit que je suis spécialiste en intelligence financière. Ce n'est pas cette formation que j'ai faite à l'université. Je suis sorti de l'université comme un environnementaliste. Donc, gérer l'environnement, les plantes, les animaux, les eaux et tout ça. Mais aujourd'hui, je parle de l'argent. Donc, il a fallu que je fasse d'autres formations pour ajouter à ce que j'ai fait à l'université. Quoi. Donc, si aujourd'hui, je peux sortir de mon boulot, aller faire autre chose concernant le domaine de l'argent. Et là, toujours, il faut se former pour augmenter ses compétences, ses capacités, ses moyens. C'est-à-dire, comme on dit, d'ajouter toujours des flèches à son carquois pour mieux tirer, quoi. Tirer et abattre l'ennemi. Voilà. Donc, c'est alors ça. Là, merci beaucoup, et notre cher bien-aimé frère Payaro. Et donc, nous sommes en train de débattre du thème « Comment promouvoir financièrement les femmes et les jeunes femmes, les jeunes filles en l'occurrence, tout le monde, pourquoi pas, pour un développement durable ou pour le bien-être de la société qui éduque une femme, éduque une société. Oui. » Et donc, comme nous sommes les promoteurs de vie, les géniteurs de vie, nous sommes appelés à connaître et comprendre mieux certains concepts afin de les véhiculer pour le bien-être de l'humanité. Alors, Monsieur Payaro, dites-nous, Docteur Payaro, pensez-vous que la femme a un revenu au foyer? La femme... Traditionnellement, en Afrique. Oui, la femme doit avoir un revenu. Et même, je dirais, plusieurs revenus. Si on rentrait dans la Bible... Dans Proverbe 31, nous allons voir comment on a décrit la femme vertueuse. Et je prends l'exemple de ma maman, parce que c'est elle que je connais bien. Bon, par exemple, quand on est arrivé à Tchébé dans les années 92, en abandonnant nos champs et tout ce qu'on avait au sud, les cafés, la cacao, grève, tout ça. La crise était forte au Togo. Voilà. Donc, on n'a pas pu prendre même les maïs là parce que c'est dans la précipitation qu'il faut partir et tout ça. On n'a pas pris des réserves de nourriture comme ça pour tenir. Alors qu'on arrivait
en période de sécheresse. Mm-hmm. C'est pour la première fois que je voyais la nature, que tu peux rester ici, quelqu'un va être à 5 km, voir. Nous, au sud de là, il y a les forêts, les montagnes, les, tout ça là. Tu ne peux pas voir. Ton sur, prochain, sur mais même, maman, 600 mètres. C'est d'ici que vous êtes venu. Bon, maintenant, on est arrivé. Mm-hmm. Comment il faut faire? C'est ça. Le papa était en train de se débrouiller de son côté. Et c'est là même que j'ai appris certaines bases de l'intelligence financière, parce que tu n'as pas la semence. Maintenant, il faut utiliser. Le papa a dit, ce que nous avons amené, nos maïs de 4 mois, là, ce n'est pas ça qu'on sème ici. Parce que la saison n'est pas favorable comme chez nous au sud. Parce qu'au nord, c'est 2 saisons. Voilà. Donc maintenant, il faut trouver le maïs qu'on sème là-bas. Les mille là, on n'a jamais vu, mais maintenant on dit que c'est ça qu'on va cultiver. Donc voilà, maintenant il se met, il utilise sa force de travail pour travailler chez ceux qui en ont. Et maintenant, quand il va, il cultive, on lui paye en semences, mm-hmm. pas en argent. Donc la maman c'est aussi. Que la récolte, quoi. Voilà. La récolte. Mm-hmm. Donc maintenant, la maman aussi, elle est allée chercher. Avec le peu d'argent qu'elle avait, elle savait quel type de gombo pousse en moins de 45 jours en récolte. Elle a demandé seulement à vous, mes enfants et Marie, faites-moi là où c'est un peu bas-fond là, et que avec l'humidité et un peu de pluie, on peut mettre ces gombos là. Mmh. Et puis, en un, c'est comme ça qu'elle a commencé en par de temps. Récolter. Et puis, comme le gombo la pousse et produit avant l'abondance des gombos, elle vend très cher. Donc, viens, on te compte 3-4 là, c'est déjà plus de 100 francs. C'est du 100 francs, oui. Voilà. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire ce que vous avez dit. Donc, maman n'a pas reçu de l'argent de quelque part, mais ce qu'elle connaît et l'environnement dans lequel elle se trouvait. Elle a cherché les ingrédients pour pouvoir se créer des sous de revenus. Quelqu'un a dit, s'il faut compter des millions, le compte dans la tête d'abord. Voilà. Donc, si tu ne vois pas ça dans ta tête, tu ne pourras pas le matérialiser. Donc, physiquement. Oh là là. Donc, chaque femme doit avoir source de revenus. Et si nous prenons la Bible, quand le Dieu a mis le jardin d'Éden, il avait arrosé le jardin là avec 4 fleuves différents. Donc, si un tarissait, parce que sa source ne trouve pas de l'eau pour prendre, pour amener, au moins les 3 autres assuraient. Donc, dans un foyer, le mari et la femme doivent s'asseoir, ou bien les fiancés doivent discuter comment nous allons alimenter donc, notre foyer pour pouvoir assurer les dépenses auxquelles nous ferons face. Parce que bientôt, les enfants vont venir, les enfants créeront des charges. Ainsi de suite, il faut soigner, il faut manger, il faut vêtir. Donc, il faut des ressources. Donc, chaque femme doit avoir des sources de revenus. Donc, chaque femme doit avoir des sources de revenus. Merci. Elle, si tel est le cas, et vous avez dit que votre maman, qui de rien n'avait rien, a juste réfléchi, pendant cette période de soudure et à trouver une solution, il fallait planter le gombo. Est-ce que de nos jours, si le climat n'est pas favorable, est-ce que c'est la même chose partout? Est-ce que la femme qui attend qu'au moins son mari lui donne quelque chose avant de commencer, est-ce qu'elle a tort? Bon, la femme et son mari doivent se connaître. Et aussi, nous n'avons pas l'éducation financière. C'est ce qui fait que, bon, la gestion des finances des couples aussi, chacun vient avec les antécédents de sa famille. Donc, si vous venez d'une famille où papa ne donnait rien et que vous avez marié un garçon qui voyait son papa ne pas donner de l'argent, mais il venait manger, la dame-là ne peut pas espérer avoir des fonds pour commencer. Parce que l'antécédent familial aura un impact. C'est ça. Maintenant, si c'est
ce mari-là que vous avez, vous devez chercher vous-même comment créer des revenus. Par exemple, vous allez, vous voyez une dame qui vend à Imolo dans votre quartier. Vous pouvez décider d'aller laver les assiettes pour un temps. Et puis, vous savez ce que vous êtes en train de chercher. Et partant de là, par la grâce de Dieu, vous commencez, vous allez avoir des moyens. Mais il y a d'autres femmes, elles ont cette grâce que le mari vient avec un montant d'argent et dit, ma femme commence quelque chose. Je fais, par exemple, souvent, les travailleurs là, je fais un prêt, je te donne ce montant, débrouille-toi pour perpétuer ce montant-là, pour ne pas encore revenir vers moi. Mais si c'est d'emprunt cet argent, c'est là-bas que nous, qui formons l'intelligence financière, nous intervenons. Allez intervenir. Donc, si elle prend l'argent, elle n'a pas l'intelligence financière, comment multiplier l'argent, comment transformer le peu qu'elle a reçu de son mari en des milliards, elle va prendre, rentrer au marché. Les autres qui sont plus intelligents qu'elle vont utiliser leur intelligence et retirer l'argent de ses mains. Et là, après, toi, elle vient que c'est faillite. Elle a pas mangé comme ça, ça n'a pas marché. Elle a pris d'autres, ça n'a pas marché, ainsi de suite. Donc, nous étions en train de vous dire que nous sommes là ici à la RTJVA, au Plateau Vert. Nous sommes avec le docteur Payaro. Il est spécialiste en intelligence financière et il a beaucoup de casquettes. Il est aussi un coach ou un responsable de la Caisse nationale de sécurité sociale. Et il est là ici et je pense qu'après, il va nous donner ses contacts et qui pourra le contacter le fera. Alors, nous sommes... Donc, dans ce second cas d'espèce, nous allons nous attarder sur ça. Quand j'ai peut-être fait un prêt, ou bien j'ai peut-être bénéficié d'un don provenant d'une tierce personne, ce soit le mari, ce soit l'époux, ce soit qui que ce soit, comment gérer rationnellement ces fonds pour générer... Oui, pour générer des revenus, c'est ça, pouvant aider le foyer d'abord, la personne d'abord, le foyer, et en plus de l'entourage. Oui, effectivement. Et comment gérer les fonds qui tombent dans nos mains? Pour pouvoir bien gérer les fonds que vous recevez, que ce soit de votre mari, d'un membre de famille, ou bien même un prêt que vous prenez, dans une microfinance ou bien à la banque, la première des choses, il faut développer vos compétences de gestion de l'argent. Si vous n'avez pas de compétences, par exemple, c'est comme aussi quelqu'un, on met une voiture à sa disposition, mais il n'a pas appris à conduire la voiture. Il va commencer, mais la voiture ne va pas revenir en bon état. Mais si la personne a pris le temps de bien se former, connaître là où je veux aller, toutes les compétences qu'il me faut, je vais aller réussir. Par exemple, vous allez voir que souvent, je donne l'exemple de les Huenons, par exemple, ou bien les Amarmans. Vous allez voir que des gens vont venir rester avec eux dans leur boutique. Il va travailler 2 ans, 3 ans, 4 ans. Il est en train de se former. Il connaît les domaines. Il connaît les articles. Il connaît là où les achète. Il connaît comment les trucs fructifient, tout ça. Mais toi, aujourd'hui, tu ne sais jamais comment on vend le riz. Parce que tu as 5 millions. Tu vas, tu loues une boutique. Et puis bon, tu achètes le riz, tu mets dedans que toi aussi, tu commences par vendre. Tu ne pourras pas t'en sortir. Parce qu'il y a des secrets dedans que vous ne connaissez pas. Donc, il faudrait aller rester sous quelqu'un qui va essayer de vous former, de vous montrer les chemins, les tuyaux et tout ça. Et au fur et à mesure que vous êtes en train de vous former, vous avez des contacts. Et une fois que vous avez des contacts, donc ça veut dire que votre champ de vision est en train de s'élargir. Donc voilà. Donc maintenant, on ne prend pas l'argent seulement pour descendre dans le marché. Il faut aller apprendre.
Et une fois que vous avez les compétences, ce qu'il faut faire encore, c'est que... Je ne vous coupe pas la parole. C'est-à-dire, il faut d'abord savoir où on achète. Peut-être moins cher ou plus cher. Mm-hmm. C'est pas le lieu de vente. Comment et aller s'approvisionner et venir. Et même la location du lieu de vente de la boutique. Il faut tout calculer d'abord. Il faut tout calculer. D'accord. Donc maintenant, en intelligence financière, on vous dit de rester avec... vous n'avez pas d'argent, hein. Mais maintenant, vous vous dites, aujourd'hui, si j'ai 500 000, comment je vais répartir mes 500 000 pour qu'au bout de 3 mois, les 500 000 deviennent 700 000? Tu commences par calculer, faire les calculs sur papier. C'est ça, l'acquisition de l'intelligence financière. Donc, si je mets ça là, ici, ça va me donner ceci, ça va me donner cela. Et là, maintenant, vous avez développé votre imagination. Sinon, il y a d'autres qui ne sont pas financièrement intelligents. Ils disent, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas les moyens pour commencer. Et il attend que le jour que l'argent vient, c'est en ce temps-là qu'il quitte pour savoir où est-ce qu'on vend le maïs moins cher au Togo. Mais celui qui veut vendre le maïs 105 francs, et là, comme nous sommes sur la RTJVA, on va dire, par la foi, tu commences par chercher le lieu où on vend le maïs le moins cher. S'il faut même, tu vas dans les lieux-là, tu rencontres des gens, tu dis, je suis un acheteur de maïs, je suis venu pour connaître le marché, et ainsi de suite. Tu vas te renseigner combien on prend, par exemple, un sac de maïs du marché d'Anier jusqu'à Lomé. Quand on achète le maïs, comment on conditionne ça pour pouvoir amener ça en sécurité? Tout ça, là, il faut apprendre. Et c'est quand vous apprenez et vous êtes tellement compétent maintenant, l'argent va venir de soi. Donc, au fait, si on n'a pas l'argent, au fait, c'est notre ignorance, ou bien le fait qu'on ne connaît pas, c'est pour ça qu'on n'a pas l'argent. Sinon, l'argent nous entoure chaque jour. Aujourd'hui que nous sommes sortis, des millions se sont circulés entre les mains des gens dans ce même pays. Ouais. Mais d'autres n'ont pas 5 francs jusqu'à la fin de la journée. Et maintenant, Jésus nous a donné un bon exemple. Si tu veux en avoir, il faut servir les gens. Maintenant, il faut aller vers là où tu peux trouver un besoin et puis tu résous le problème des gens et puis eux, ils te donnent leur argent facilement. Est-ce qu'on peut, séance tenante, avoir des exemples? Nous avons aussi besoin d'avoir de l'argent. Ah oui. Tout le monde a besoin de l'argent, oui. Oui, tout le monde a besoin de l'argent. Maintenant, l'émission, le thème que vous avez, rôle de la femme dans le développement économique et financier de la nation. Ce thème-là peut ramener des milliards. Maintenant, comment faire pour intéresser les jeunes dames? Parce que cette émission, ce n'est pas toutes les femmes qui vont écouter. Non. Maintenant, si vous voyez l'argent à travers ce thème seul, vous pouvez dire, ah, je connais 10 pasteurs à Lomé. Et dans les églises des 10 pasteurs-là, il y a des dames qui ont besoin de la connaissance sur cette thématique. Et maintenant, j'ai tous ces 10 pasteurs pour les dire, je vais rassembler vos dames. Bon, en un séminaire d'une demi-journée, de 8h à midi, pour leur montrer qu'elles peuvent contribuer au développement économique de leur foyer, de leur église, de leur nation. Et nous avons quelques clés pour leur communiquer comment faire. Donc, chaque femme pour participer, par exemple, doit s'inscrire avec 5000 francs. Et là, elles vont venir s'inscrire. C'est ça. Donc maintenant, vous payez le lieu où vous avez fait la location pour faire la formation. Ceux que vous avez invités de venir faire la formation. Donc vous êtes entendu que quand tu viens de telle à telle heure, je te paye comme ça. Et puis l'autre. Et puis maintenant, à la fin, tu tables que, bon, si vous êtes, vous êtes maman pasteur, donc vous savez prier. Vous dites que Dieu...
Voilà, j'ai ce thème, je veux aider mes consoeurs, les jeunes filles. Donc, à ce séminaire, je demande que tu me rassembles 500 personnes. Et 500 personnes, là, Dieu dit, par la foi, crois que tu as les 500 personnes et avance. C'est fini. Donc maintenant, voyons, puisque tu fais le projet, tu dis, combien moi-même je veux gagner, combien ceux qui vont venir, et tout ça, là, peut-être je vais faire communiquer à la RTJVA sur choses ainsi de suite, mm-hmm. combien ça me coûte, tout ce tralala, là. Mm-hmm. C'est fini. Et puis vous sortez, vous savez que à la fin, vous aurez au moins 200 000, 100 000, 500 000. Bon, vous dites qu'au moins, ma marge bénéficiaire, après avoir tout dépensé, j'aurai entre 150 000 à 500 000. Et Dieu fait moi grâce. Et puis c'est fini. Donc vous voyez que ce que vous avez comme idée, c'est des millions. Maintenant, quand vous quittez, vous demandez autorisation au responsable de l'église togolaise. Donnez-moi l'aide de recommandation pour que j'aille répéter la même chose à l'église béninoise, la même chose à l'église burkinabé, la même chose au Niger. C'est des milliards, des puis, millions. C'est fini. Boum. Voilà, vous êtes parti comme ça. Donc, l'argent, au fait, c'est l'idée. Et le service que vous voulez rendre aux gens. Mm-hmm. Par exemple, j'étais dans certaines églises où je parlais à certains pasteurs. Et j'étais arrivé en mission. Donc, c'est l'église qui m'a envoyé à Bassa. Et bon, je suis arrivé, je vois que j'ai demandé que je veux l'Igam. Et on m'a présenté une sœur de l'église qu'elle peut nous trouver d'Igam. Et j'ai dit, tiens, si on veut rendre riches les membres de l'église de Bassa, c'est-à-dire ceux qui sont au centre-ville, dans les hameaux de Bassa, c'est ça. On leur dit, nous avons une grande population qui consomme l'Igam à Lomé. Nous, on se retrouve à Lomé ici, on achète un camion de 10 roues, et puis bon, vous chargez de cultiver dans les fermes l'Igam mm-hmm. de bonne qualité. Vous nous rassemblez ça à l'église centrale de Bassa, nous on vient, on prend ça, et puis on en vient à Lomé, on descend une partie à Gouessie, on descend une partie à Soubousito, à Gouessan, à Vedi, et puis... Tout à l'heure, les dames qui sont, par exemple, à Gouassié, il y a le marché à côté. Ouais. On dit, tu viens, on te vend ça un peu moins cher, tu rentres au marché, et puis toi aussi, tu as des sous de revenus. Donc, un bénéfice. Voilà, donc, il y a tellement l'argent. Mais quand tu n'es pas formé pour avoir l'information et les compétences, tu sors, tu ne sais pas comment. Par où prendre pour sortir quelque chose. C'est comme aussi, souvent, quand nous parlons de l'intelligence, c'est comme à un enfant de CP1, même si on lui donne l'épreuve de bac, avec tous les documents ouverts, même les réponses, et on a mélangé, il ne sait pas quoi copier pour avoir le bac. Quoi? Parce qu'il n'a pas été formé. Mais en le formant petit à petit, un jour, quand on va lui laisser, il sait que ah, ça, c'est la bonne réponse. Et c'est cette éducation au niveau des finances, comment créer la richesse et tout ça, c'est ce qu'on ne nous enseigne pas. Et nous, on se débrouille maintenant, que ce soit au niveau de l'Église, au niveau de la population, essayer d'injecter ces informations-là, donc au niveau de la population, pour que chacun se forme. De voir les coopératives qui sont en vue, quoi. Par voilà. rapport à vos éléments de réponse, voilà. se former en coopérative et créer quelque chose et commencer par gagner de l'argent facilement. Voilà. Alors, à l'endroit des jeunes. Oui, à l'endroit des jeunes, aujourd'hui, on les a mis à l'école. Mais, par exemple, dans notre église, j'ai pris certains jeunes que je suis en train de former. Tu peux être étudiant, tu peux être jeune. Supposons que tu viens avec mon cabinet pour se faire former en intelligence financière.
Tu as le marché mondial. Amen. Amen. Par exemple, actuellement, moi-même, marché mondial, je suis, amen. Je suis en train de faire la formation avec l'Organisation internationale du travail. Et quand je vais terminer, je vais devenir... Oui. Donc, un expert en formation en intelligence financière du Bureau international du travail, même si ça doit me coûter des millions en un seul jour. Formateur des formateurs. Si on m'invite, puisque là où je vais faire maintenant, quand je vais être expert de la sous-région, et quand on m'invite une seule journée, c'est de l'argent. Pendant ce temps, quelqu'un va se faire former du CPE jusqu'à professorat. Moi, je peux aller travailler une seule journée, dépasser tout ce que lui il gagne en un an. Donc, ça aussi, c'est l'intelligence. Moi, je n'ai pas appris beaucoup de choses. Mais le peu que j'ai appris, ça permet de créer plus de valeur que quelqu'un a fait ses études, il est sorti professeur. Même il peut être professeur, moi je prends seulement une seule connaissance de tout ce que lui a fait pour devenir un grand professeur émérite. Et moi je continue par faire de l'argent. Par exemple, vous avez le thème que nous sommes en train de développer. Oui. Le même thème. On peut le travailler au Togo ici. On commence par Lomé, Thévié, Atapamé, Sokodé, Kara, Dapon. On reprend la même chose chaque année, mais on fait de petites variations. C'est la même compétence. Et c'est comme ça aussi, on prend les chanteurs, la même chanson. Il va faire concert à Lomé. Il fait concert à Thévié. Il fait concert à Abidjan. Oui, le chant ne change pas. Mais il est en train de gagner. Donc c'est pour ça que quand il y a une intelligence, tu sais créer de la valeur à partir de petites choses. Donc le talent que Dieu t'a donné, c'est ça que tu dois travailler. Tu deviens tellement pointu dans ton domaine que les autres en ont besoin de toi. Hey, ça c'est ravissant de vous écouter et ça nous donne du plaisir de vous suivre dans vos activités. Je pense qu'un jeune est en train de nous suivre, une femme aussi est en train de nous suivre et aussi pourquoi pas les hommes, vous êtes en train de nous suivre et je suis sûre que vous êtes en train d'en bénéficier de ces enseignements et que ça vous fera du bien et que nous sortirons de notre pauvreté parce que nous sommes entourés d'argent sans le savoir. Alors, si tel est le cas, nous sommes dans un domaine d'une obédience religieuse et quand des fois nous posons certains actes et disons, non, vous là, vous êtes rentré dans la chair, mais c'est quoi ces manières? Est-ce que c'est ce que Dieu a demandé de faire? Non, il faut quand même. Mais qu'est-ce que vous aurez à nous dire? Oui. Parce que nous sommes limités avec Dieu. Non, fais ça là. Non, c'est trop, c'est rentré dans la chair. Hein? Non, vous aussi. Non, nous sommes spirituels. Il faut que tout ce que nous faisons soit réglementé, soit dans l'esprit. Oui, quand on dit spirituel, il faut comprendre le mot spirituel. Par exemple, celui qui est... Vous parlez en tant que diacre, quoi. Oui. Celui qui est spirituel, il va dire, le grain de maïs que j'ai dans ma main, c'est la parole de Dieu qui est dedans. Dieu dit, ça porte la semence et ça se multiplie. Donc, si à partir de ce grain de maïs, je veux faire que les gens connaissent la puissance de Dieu en les nourrissant. Donc, moi, quand je cultive le maïs, je veux qu'on connaisse Dieu à travers mon maïs. Et Joseph, pour qu'on connaisse la capacité de son Dieu, c'est la gestion qui l'a menée. Un économiste. Voilà. C'est ce qui a révélé que non, est-ce que lui-là, on peut trouver son semblable? Et nous allons voir que
Quand on adore Dieu, tout ce que Dieu a créé, ça parle de lui et ça révèle sa puissance. Celui qui est dans le manquement, en quelque sorte, on dirait qu'il n'est pas dans la volonté de Dieu. Parce que Dieu dit, je vous bénirai et vous serez dans l'abondance. Et maintenant, si on veut que la parole de Dieu là se vérifie, on doit travailler pour que ce que Dieu a dit soit vrai. Et en s'évertuant chaque jour de réfléchir pour dire, Dieu a dit, il nous a donné tout. Maintenant, comment je vais faire pour que ce que Dieu a dit soit vrai? Nous sommes là pour accomplir la volonté de Dieu. Dieu dit, vous prêterez à des nations, vous n'emprunterez pas. Maintenant, je m'inscris dans cette parole. Dieu a dit, même si tu es pauvre, lui te prend de la pauvreté, il te fait asseoir parmi les grands. De la poussière, il relève l'indigent et voilà. Le fait asseoir parmi les grands. Voilà. Je crois cette parole. Maintenant, je peux dire, à travers le coton, la culture de coton, mes champs de coton, Dieu va, à travers ça, me faire asseoir parmi les grands. Donc, si je comprends la parole de Dieu de cette façon-là, tout travail que Dieu me met quelque part, je travaille de mieux en mieux pour révéler la gloire et la puissance de mon Dieu. Et là, il nous garantit la bénédiction. Toi, tu ne feras pas tant d'efforts, mais lui-même, dès que tu commences, il rentre dedans. Quelque part que ce que les autres cherchent à longueur de journée, des années, toi, dans ton sommeil, il te le donne. Voilà. Par exemple, moi, j'en ai expérimenté cette parole à un examen à l'université. C'est-à-dire que j'étais là, je bossais les documents, mais ce que j'apprenais, ce n'est pas là-bas qu'on viendra poser comme question. En un moment donné, là, un petit sommeil m'a pris et puis bon, j'ai eu la révélation de ce qu'on viendra poser comme question. Pour ça, le Seigneur est fidèle. Voilà. Il le fait. Je me suis réveillé le matin, je suis allé regarder. Et c'est comme ça que j'ai pris pour dépasser les autres. C'est ça. Donc, voilà. Donc, ça veut dire que nous devons réfléchir dans le sens de Dieu. Ce que je fais doit glorifier Dieu. Ce n'est pas l'argent qu'on cherche. Mais Dieu dit, ses enfants vont en avoir satisfait à tous leurs besoins et le faire de bonnes œuvres. Voilà. Le surplus sera là pour les pauvres, pour l'œuvre de Dieu et pour tout dans sa maison. Voilà. Donc maintenant, si on ne regarde pas ça, là, on n'est pas en train d'accomplir ce que Dieu veut que nous fassions. Voilà. D'accord, et pour preuve, parce que Dieu avait créé tout avant de mettre l'homme dans le jardin, parce qu'il savait que l'homme en avait besoin et qu'il devait en jouir. Donc, notre position, je pense, c'est mon avis, spirituelle devait nous permettre d'être plus illuminés et bénéficier plus que les autres qui ne sont pas... de notre obédience peut-être religieuse ou quoi que ce soit, parce que le Saint-Esprit en nous, nous devons en faire plus. J'espère que c'est ce que vous venez de dire. Oui, oui, effectivement. Que ce soit Daniel, que ce soit Joseph, que ce soit qui, je pense que leur position et leur supériorité en esprit et spirituellement a permis qu'ils puissent être au-devant de leur père, dire leur confrère. D'accord. Et nous sommes en train d'aller à la fin. J'espère que nous allons, ce n'est que partie remise, si Dieu nous prête vie et que vous avez encore du temps, nous devons revenir sur le thème parce que le temps est déjà à son terme. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire comme dernier mot? Et en donnant vos contacts, bien sûr, avant de terminer l'émission, la seconde fois. Et je confirme et je promets que cette émission sera aussi faite en vernaculaire pour que nos frères, nos sœurs qui n'ont pas la chance
de parler la langue de Montréal ou de la comprendre puisse aussi être au parfum de tout ce qui est dit ce soir pour leur développement, leur épanouissement et leur réussite. Oui, docteur Payaro. Oui, mon mot de fin, donc, c'est d'amener les gens à commencer par développer leurs compétences. C'est-à-dire que qu'en soit par les formations, vous suivez même la télé, la chaîne RTJVA, vous êtes en train d'apprendre, lire des livres, écouter des autres, hein, apprendre chaque jour. Chaque jour que vous sortez aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai appris de nouveau? Quelles connaissances j'ai ajoutées à mes connaissances antérieures? Ça, c'est très important. Et le peu que Dieu vous donne, apprenez à mieux le gérer. Et si vous n'avez pas encore les systèmes de gestion, vous pouvez nous contacter. Là, au 90 85 15. Et ou bien le MOVE 99 13 34 58, 99 13 34 58. Nous pouvons vous accompagner, que qu'en soit au niveau de l'Église, comme au niveau individuel. Nous accompagnons des gens pour mieux gérer. Parce que nous n'avons pas abordé ça. Tout non, ce que tu ne gères pas bien. On va l'aborder. Le thème même, c'est le rôle de la femme pour, dans le développement de son économique et financier de son pays, le rôle de la jeune fille, le rôle du genre féminin dans le développement. Donc, nous avons d'abord voulu comprendre et savoir comment d'abord il fallait qu'on promouvoie cette femme, on promouvoie cette fille ou bien ce jeune garçon avant maintenant qu'il joue un rôle dans ce développement. Voilà. Justement. Donc, c'est pourquoi j'ai commencé par ce petit thème avant de venir la prochaine fois sur le grand thème. Merci beaucoup. Soyez bénis. Nous avions, j'espère, avec les téléspectateurs, eu un bon moment avec votre compagnie. Et je pense que la semaine prochaine, nous aurons à terminer et à aussi le faire en vernaculaire, je précise, en cabiais, pour nos frères qui sont aussi... au nord et qui n'ont pas la chance aussi de comprendre ce que nous disent, surtout les femmes. Parce qu'il y a tout qui nous entoure. Dieu a tout mis à notre disposition. Aller même cueillir un fruit, transformer ce fruit, les gens viennent chez nous, cueillent les mangues, les oranges, nous les vendons moins cher, ils s'en vont transformer et ils nous revendent ça cher. Mais le produit vient de chez nous. Merci beaucoup, docteur Payaro. Merci à vous, téléspectateurs, qui nous avez suivis depuis le début de cette émission. Et je précise que nous avons parlé de la promotion de la femme financière économique et pour son développement. Et la prochaine fois, nous allons entamer le vrai thème, le rôle de la femme et de la jeune fille. Hein? Dans la gestion des affaires de l'État financièrement, et je parle l'État, je parle la société, et économiquement, quel est son rôle, quel est son apport, qu'est-ce qu'elle doit faire pour contribuer, que ce soit dans son foyer, et dans son église, dans son quartier, son village, qu'est-ce qu'elle doit faire. Il y a beaucoup de choses qui nous entourent, et les atouts, vous les avez écoutés. Alors, ce n'est que partie remise. À plus, oui, nous disons merci à nos techniciens, à nos preneurs de son. Et Sinfeluna, Bacho, et vous êtes là, soyez bénis. Grâce à vous, nous avons eu ces jolies images. Et je pense que vous serez là au rendez-vous la prochaine fois. Alors, soyez bénis, bye bye, ciao.